On va accueillir Benoît Furet de l'Université de Nantes qui va nous parler de Smart Manufacturing. Moi je viens de Nantes et je vais vous parler, mais j'ai bien retenu quand même la présentation d'Eric, des choses importantes, comme quoi tout dans l'usine du futur va devenir un actif. Et donc justement, moi je vais revenir sur des choses très terre à terre, je le disais à l'instant, sur les machines-outils. Donc je suis enseignant en GMP. Mes premiers TP quand je suis ancien élève de l'UT de Nantes, et je suis arrivé quelques années après comme prof à l'atelier, mes premiers TP c'était sur des étolimeurs. Voilà. Et des machines pour payer l'engrenage. Donc ça a un petit peu évolué depuis. Un petit peu, voilà. Donc en quelques mots, donc je vais faire une présentation avec Mathieu Ritou, là, qui est un de mes collègues avec lequel on travaille sur ces affaires depuis un certain nombre d'années. Donc on est ici à Dijon, donc là-dedans, donc c'est Nantes, c'est la. C'est le Far West par rapport à ici, mais on a la météo de Nantes aujourd'hui, voilà. Et donc, une région assez industrielle, moi je suis issu d'une cité ouvrière nazarienne, on fabrique des paquebots à Saint-Nazaire, mais aussi on fabrique de l'aéronautique, il n'y a pas qu'à Toulouse on fabrique des avions. Hein, on dit même qu'en France, les Airbus étaient à Nantes, puisque toutes les pièces élémentaires sont fabriquées, pour la plupart, à Nantes. Ça y est, là, c'est Giovanni Toulousain qui commence à se définir. On est bien parti, d'accord, voilà. On a Naval Group aussi qui est dans le coin chez nous. Il y a, ça vous n'allez vous pas pouvoir l'enlever, il y a Beneteau qui est quand même le leader mondial du nautisme. Hein, 26 entreprises dans le monde, il y en a 12 en Vendée, donc c'est monstrueux. Voilà. Et puis bon, on travaille aussi sur les énergies marines parce qu'on est proche de la mer. Et puis voilà, on fait un petit peu d'automobile quand même, plutôt de niche, avec beaucoup de camping-cars, etc., comme en Auvergne. Et puis aussi pas mal de voitures de luxe, diverses et variées, qui sont produites autour des matériaux composites en région. Et on fait aussi, alors ça c'est pour mes collègues bordelais, on fait du bon vin qui est. Ça c'est pour le président Philippe, voilà. Donc, trois casquettes quand même, ça a été même dit par Eric tout à l'heure, là, vous parlez au tout départ de la présentation par les collègues, hein, c'est ce lien qu'on a, nous, c'est nos chercheurs avec le monde de l'industrie. Et donc, très classiquement, nous, au sein de mon département, l'UT, donc, qui est rattaché à l'université, mais évidemment, comme nous tous, moi je suis dans un laboratoire de recherche qui est un laboratoire des sciences du numérique. Au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment un laboratoire, on faisait que la bonne méca, les procédés, et puis petit à petit, on s'est regroupé avec des informaticiens, et on a vraiment un laboratoire de numérique maintenant, de numériciens, et donc on est 460 de différents établissements, l'école centrale, l'école des mines, l'université et l'UT. Là, quand je suis arrivé, il y avait très peu de recherche à l'UT, maintenant, on fait tous les anciens chercheurs font vraiment de la recherche à l'UT, et à l'intérieur de l'UT. On a réussi, au sein du département, maintenant, à avoir nos propres plateformes de recherche, et qui sont exploités aussi par les étudiants. Donc les machines, elles servent aussi à ça. Voilà. Et on est assez fiers de ça, ça n'a pas été facile. Nos copains des grandes écoles d'ingénieurs à côté, grandes, elles n'ont que de grandes que le nom, eh bien, elles n'ont pas fait que des cadeaux. Des tocs, voilà. Là, c'est ça, on est entre nous, donc on y va. Dernier point aussi, donc on a au sein de l'université créé une SAS, un droit privé, donc qui nous permet de faire de la valorisation du travail de la recherche. Donc on a 80 salariés, sans aucune subvention. Alors même s'il y a des grands organismes qui ont été cités, les CEA ou autres, qui reçoivent des subventions d'État, nous, notre société, c'est une société de droit privé, il y a 80 salariés. La société appartient à l'Université de Nantes, qui est l'actionnaire majoritaire. On fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, et c'est des prestations de services aux entreprises. Alors c'est là où il faut faire attention à ne pas être trop prestataire, à ne pas être en concurrence avec des entreprises que l'on connaît bien, et on fait un peu des moutons 5 pattes dans ce domaine-là. Et moi, j'ai une petite équipe, il y a 6 personnes, hein, une cellule, qu'on appelle ça, et qui travaille pour faire la prestation d'entreprise. Donc globalement, moi je passe à peu près une journée par semaine chez l'industriel, en plus pour votre recherche. Cécile, chef de département, au fond, je suis un des plus chers du département. Et il en faut bien, voilà. Donc nous, nos travaux, il y a eu pas mal de mots qui sont apparus tout à l'heure, là, je vais essayer d'en parler. Donc nous, nos activités, moi j'ai les copeaux sous mes chaussures. Donc même si on a commencé les étolimeurs, on en fait encore, voilà. Donc des pièces diverses et variées, et dans le domaine de l'aéronautique, bien évidemment. Et puis, pas seulement, de la grosse pièce mécanique aussi, c'est arrivé. Donc quelques points marquants quand même dans notre activité. Voilà, on a beaucoup travaillé sur l'évolution des matériaux composites. Donc dans les années 2000, avec l'arrivée de la 380, même si on le termine maintenant, mais il a bien fallu le faire. Et les premiers essais d'usinage des panneaux composites forte épaisseur de la 380, on les a fait sur la machine UGV qu'on avait à l'UT au département GMP, avec Airbus.
Et donc, on a développé des outils voilà, qui ont été pour certains brevetés. On a beaucoup travaillé aussi sur le développement de la robotique, du usinage. Alors là, je vois un autre bordelais, là, Philippe Verlet, qui expose aussi ici, qui est un fou furieux aussi, mais de l'industrie. Et donc, on a travaillé ensemble à développer un robot. Vous voyez, un robot, c'est facile. En gros, on les a beaucoup utilisés pour faire pas mal de choses. On met une broche dessus, puis on vient usiner. Là, les images que vous voyez, la broche fait 20 kW. Philippe, il a pareil chez lui. Et donc, on vient usiner avec des robots. Sauf qu'un robot, c'est complètement isotrope, c'est hyper élastique. On a développé des systèmes pour venir analyser le comportement élastique du robot pour faire des modèles de compensation. Aujourd'hui, on pilote à des trajectoires fausses pour faire des pièces bonnes. Et c'est pour ça, vous voyez la grande pièce qui a été usinée, qui est une pièce de chez Daher. La pièce a fait 14 mètres de long. On l'a détourée qu'un robot à 200 000 balles, le robot. Eh bien, quand on détourait au départ, on faisait des pièces à 2-3 mm près. Au final, on a plus ou moins 2 dixièmes sur 14 mètres de long, avec des modèles de compensation. Après, on a travaillé aussi dans d'autres domaines. Donc, parce que les machines utilisent ça, c'est un gros problème de vibration. Et donc, c'est là qu'on a commencé, je vais y revenir, à essayer d'instrumenter les procédés. Hein, dans la salle, mes collègues bordelais travaillent aussi beaucoup là-dessus, sur la partie modélisation des process d'usinage. Eh bien, on est venu aussi analyser, pas que le process, aussi les machines. Et donc, un des moyens, c'est de comprendre ce qui se passe avec l'instrumentation, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là des choses. On a continué de travailler avec des robots, des cobots, des machins et trucs. Et puis, bien évidemment, c'est parce que c'est la mode. La présence bordelais, on fait depuis 30 ans à lutter. Après, eh bien, on a aussi développé ces technos-là. Donc, comme dans la région d'Antilles, on fait des choses un peu, on a des grands éléphants, on a des géants, etc. Eh bien, on s'est habitué à faire des girafes. Et donc, nous, on utilise un polymère qui est une mousse, voilà. Donc, c'est un problème d'expansion de matière au moment où on la dépose. On fait la fabrication additive. On a développé un process qui s'appelle FAME, Foam Additive Manufacturing. C'est pour faire des objets de très grande dimension. Voilà. Et donc maintenant on fait des modèles numériques où on vient modéliser la partie expansion, la partie thermique associée à ça. Et bien quand on s'est amusé avec un groupe d'étudiants de GMP à faire au milieu, là vous voyez, une petite cabane, un shelter. Alors, quand je m'appelle Furet, les étudiants appellent ça forcément la niche du Furet. Voilà. Et donc cette niche du Furet, on l'a faite en fabrication additive. L'idée c'était de faire un abri d'urgence, une plante 3 secondes, on vient avec les matériels, on sort le robot et on imprime une petite maison. Le temps qu'on reconstruise le normal et après on abat et on repart. Et puis cette idée-là, certains m'ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas une vraie maison? Et j'ai dit chiche. Donc on a travaillé, on a cherché, et on a développé et on a brossé une solution. Et on vient, donc c'est à partir de travaux qui ont été menés à l'UT, eh bien on a réalisé à Nantes une première maison imprimée 3D avec un robot. Donc c'est du matériel du département qu'on a utilisé, hein, pour nos labos. Et donc on a couplé un robot boulet articulé avec un robot rouleur. Et le robot, il vient enlever, mettre sur la dalle en béton et il imprime à la fois le polymère qui va servir d'isolant et le béton. Donc en fin de compte, on fait du béton branché, sans branche, avec une branche perdue mais qui n'est pas perdue puisqu'on la garde, ce qui sert d'isolant. Voilà. Et on l'imprime sur place. Et donc la maison a été terminée, elle a été depuis l'année dernière, depuis mauvais. Donc c'est la première maison certifié pour le monde, et le premier mur d'un mètre a été fait au sein du département GMP. Voilà, donc ça mène à tout, et ça va rejoindre la présentation d'hier tout à l'heure, c'est que le numérique, on parle effectivement usine du futur, on parle aussi beaucoup santé du futur. Ben moi, le chantier du futur, la construction 4.0, ça se rapproche énormément de nos métiers du génie mécanique. Donc moi j'ai de plus en plus de liens avec mes collègues du génie civil à l'UT de Saint-Nazaire, parce qu'on a des métiers qui se rapprochent. Voilà. Mais je suis pas venu pour vous parler de ça, donc on est pas. Je suis venu pour vous parler. Non, j'ai plus une demi-heure, parce que maintenant, c'est ça, les oreilles. Donc je vais vous parler, effectivement, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait plein de mots compliqués, etc. Et moi, et j'avoue, à un moment donné, je suis pas très bon. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je comprends plus que dalle dans ce qu'il raconte, ressortir les étoliners. Donc, est-ce que c'est pour nous ou pas les GMP? Ben bien sûr. Ça me paraît évident. Surtout aujourd'hui, vous êtes à Dijon. Et je vous rappelle que Dijon, c'est la première métropole française connectée. Vous connaissez tous On Dijon. C'est le flop. On Dijon. Dijon est la première métropole française où il mesure tout. Ils mesurent les déplacements des individus, les taxis, les transports en commun, etc. Et ils peuvent, de cette façon-là, optimiser, faire l'optimisation des transports, vous conseiller, vous recevez un message sur votre smartphone pour dire « vaut mieux passer par là », etc. En gros, c'est du Waze, mais à l'échelle de la métropole, et qui est beaucoup plus agrandi. Voilà. Bon, c'était une petite remarque pour eux. Après, je me suis dit, et nous, GMP, est-ce qu'on est, ou UT, est-ce qu'on est bon en usine future? Donc, j'ai sur mon moteur de recherche préféré, hier, en train, il est mis
Usine du futur, IUT. Et boum, je suis tombé. Il y avait déjà eu des conférences le 5 février en 2015. J'en ai retrouvé une sur la réunion d'Antenne, on a fait une. Bon, il y a celle d'aujourd'hui. Bon, et pour certains, ça c'est nos collègues alsaciens, bah, c'est faire le cartel trophique et usine du futur. Mais bon. C'est moteur de recherche, qu'est-ce que c'est pas moi. Mais n'empêche que l'usine du futur, c'est, ça a été dit en introduction tout à l'heure, mais on est toujours dans le futur. Hein, forcément. Certains d'entre vous ont des cheveux blancs, là, moi le premier, et on a toujours été abandonné. Dès qu'on est passé de polymère à autre chose, on était clairement le futur, donc on le sera toujours. Voilà. Donc c'est un peu à la mode, mais on va surfer sur la mode pour le département GMP, mais il faut faire attention à ne pas faire d'erreur non plus. Hein, on a nos petits copains d'OGP, une fois qu'ils ont changé de nom, ils ont perdu l'identité de leur département. Donc, s'il y en a qui ont déjà des idées pour dire on va changer le nom des GMP pour dire usine du futur, je serai en retraite. Point la ligne. Voilà. Donc, le support que je vais prendre pour essayer d'aboutir à ma présentation sur la machine collectée, c'est les pièces aéronautiques. Parce que on a bouffé quand même pas mal. Et ça plaît encore. Voilà. Donc, la spécificité des pièces composites, enfin des pièces aéronautiques, il y en a en composite, mais pas que. Il y a encore du bon métal, du bon aluminium qui se recycle et tout. Voilà. Et donc, c'est quand même des produits un peu spécifiques. C'est que c'est pas des cadences énormes, même si on arrive maintenant à monter vers des 60 avions au mois, ça commence à faire. Voilà. Derrière, il y a une production qui est hyper dynamique, c'est d'aller où les tailles de l'eau sont de plus en plus petites. Donc, c'est pas si facile que ça, c'est pas la production de masse, évidemment. Des formes de plus en plus complexes, des matériaux exotiques, aluminium, lithium, j'en passais des meilleurs, donc c'est pas simple à automatiser. Et puis, l'usinage, on va pas, parce qu'on fait de l'impression 3D, que ça sert tout de suite. Tac, il n'y a aucune pièce de catégorie 1 imprimée 3D qui vole aujourd'hui. Catégorie 1, c'est la pièce casse, l'avion tombe. Il n'y en a pas. Pas du tout. Bon, ça viendra. Ça viendra. Alors, donc pour continuer là-dessus, allez, voilà. Et donc, c'est plein d'étonimeurs, c'est très heureux. Bon, une bonne huron quand même, j'ai pas pris la papier pourri, j'avais une belle petite machine. N'empêche que quand on a commencé, c'était quand même le savoir-faire de l'opérateur qui faisait la productivité et la qualité de l'objet. C'était son savoir-faire, bien sûr. Bon, alors c'est des machines qu'on utilise encore en TP, nous. Hein. Bon, n'empêche que ça a changé aujourd'hui. Dans des machines commandes numériques, avec des broches de 75, 100 kW, 150 kW disponibles à la broche pour usiner, eh bien, on enlève 6 sacs de matière par minute, ça commence à envoyer du bois, et avec les opérations de tréflage ou autre, tout est fermé, on ne voit plus ce qui se passe. Mais où est passé le savoir-faire? Le savoir-faire, il est passé un petit peu en amont, au niveau des méthodes, des nouvelles préparations, et le numérique, il est déjà arrivé depuis un petit bout de temps. On n'a pas attendu de passer les usines du futur pour le faire. Hein, dans les années 80, quand je suis arrivé étudiant, on avait une machine à commande numérique, on faisait bon, des bombes perforées. Il y en a pas mal de cheveux blancs. Et donc, mais bon, ça a quand même tout. Et il y a quand même tout le savoir-faire qu'on a capitalisé et on n'est pas ridicule. Dans le bâtiment, j'y mets maintenant, c'est le BIM qui est arrivé il y a 3-4 ans. Ils ont du retard. Mais ils vont aller très vite aussi dans le domaine du bâtiment. Ils vont aller très vite. Voilà. Mais pour vous, quand tu as parlé tout à l'heure, c'est quand même la même chose. Et pourtant, même si on est bon, 100% des pièces usinées UGV dans l'aéronautique sont reprises à la main derrière. Ce sont des pièces de chez Dassault, à Seclin, on parlait tout à l'heure de Falcon. Toutes les pièces sont reprises à la main. On a beau avoir des super chercheurs qui font de la modélisation de la coupe, de l'usinage, etc. Et parce qu'on a beau modéliser, avoir des modèles de calcul énormes, mais il y a plein d'aléas, plein de machins, plein de trucs, mais on peut faire un petit peu autrement. Voilà. Donc l'idée, j'ai des statistiques sur les reprises de pièces, c'est vrai. Il y a un peu de tout. Donc l'idée qu'on a eue nous dans les années 80, fin des années 90, c'était le siècle dernier, donc c'était pendant ma thèse, c'est de dire ben, on peut peut-être faire un petit peu autrement. C'est si on veut venir mesurer. Pourquoi? C'est l'usinage en boucle ouverte. En gros, je lance une consigne, je dis à la machine va usiner, et après je ferme les yeux, je fais que de l'asservissement en boucle fermée de la géométrie. Pas du procédé. Il peut se passer quoi que ce soit pour le procédé, je vois rien. Alors que l'opérateur qui était là, quand vous étiez sur le taux limeur, ça se mettait à brouter. Ah, vous changez les conditions de coupe. Sur un tour, pareil, ça siffle, ça vibre, machin. On sent même quand la machine force sur la bonne fraiseuse, vous dites, vous entendez les roulements. Donc à ce moment-là, mettons des capteurs. Il n'y a rien de plus bête qu'une machine-outil. On les paye une fortune, on ne récupère pas de signaux. Il faut que la machine devienne un actif. Un actif, voilà. Donc l'idée, c'était d'instrumenter les machines pour pouvoir capitaliser la donnée, traiter ces données et prendre des décisions. Si avoir la donnée pour la donnée, ça ne sert à rien.
d'avoir de la donnée pour les soigner derrière, c'est ça qui est toute la difficulté. Et donc, en bon français, on a créé un peu le smart manufacturing. Voilà. Bon, donc l'idée c'est ça, l'instrumenter, mettre plein de capteurs. On peut se dire, mais c'est de la folie. Ben oui, mais les capteurs, c'est facile de rajouter un accéléromètre, un capteur de puissance, de rajouter des capteurs d'effort dans certains cas. Ça peut paraître compliqué, mais on n'a pas besoin du torseur complet. On peut mettre juste une composante principe. Ben voilà, on peut récupérer sur des actions. Mais aussi, on peut penser du sensorless. On peut récupérer de la donnée sans rajouter de capteurs. Ou prendre des capteurs qui viennent d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on a pas mal travaillé, à essayer d'analyser beaucoup sur les signaux vibratoires, comprendre un peu ce qui se passe. Donc, instrumenter la machine avec des capteurs bien positionnés. Puis derrière, une fois qu'on a récupéré les signaux, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que si j'ai une production très grande série, ben, je peux mettre des seuils fixes, dès que ça dépasse un signal, hop, j'y arrête. Mais quand on a une production flexible, hyper changeante, c'est beaucoup plus compliqué. On peut dire on fait partir par l'apprentissage, mais l'apprentissage, c'est limite. Donc après, derrière, on va peut-être poser des traitements d'information qui soient beaucoup plus intelligents que ça. Donc, nous avons développé un système, donc une machine-outil connectée. En gros, on commençait à faire de l'IoT ou de l'IIoT avant même qu'on connaisse le nom. Et d'ailleurs, on est venu rajouter des capteurs partout sur la machine. Et en particulier, où ça se passe pas trop bien, où est-ce qu'on peut récupérer les signaux. Moi, quand je vais voir mon docteur, parce que j'ai des problèmes de cœur ou quand je monte l'escalier, je souffle, eh bien, pour mesurer le cœur, il va pas mettre le stéthoscope sous le pied. Et là, j'ai de mettre au plus proche des événements. Et donc, on est venu, dans les branches d'usinage, rajouter des capteurs aux endroits où ça fait mal. En particulier, bah, sur la broche, au niveau des roulements, donc des accéléromètres sont passés un à la broche, au niveau des plaques extérieures, etc. Des roulements. On en met deux sur les pailles avant, deux sur les pailles arrière. Parce que certains disent, ah, bah, je mets juste un accéléromètre et je vois tout ce qui se passe. Ok, on voit les vibrations, par exemple, sur le palier avant, et les mécaniciens que vous êtes ici, bah, des fois, on mesure une vibration avec une amplitude et puis des fréquences au niveau du palier avant, et puis c'est l'arrière qui est en train de battre la charade, puis on ne l'a pas vu. Donc il faut aller mesurer le plus proche possible tout ce qui se passe. Donc, mettre des capteurs bien placés, après on peut récupérer des signaux aussi qui viennent directement de la CN. La CN, aujourd'hui, on est capable, sur des CN modernes, de récupérer énormément d'infos. Et donc, on va les chercher et les capitaliser. Voilà. Donc au début, on a fait un peu de boîte noire. On récupère plein de signaux, plein de machins, des signaux vibratoires et autres. Et puis on récupère aussi des signaux sur les potards et autres, parce que, bah, forcément, Robert, il veut garder encore un peu la main, donc il arrive sur la machine, ça fait un peu de bruit, il va modifier. Et si après on traite les signaux, mais qu'on n'a pas repéré qu'il a modifié d'avance, on l'a dans le baba. Donc il faut qu'on mesure tout et qu'on ait vraiment le digital queen, le jumeau numérique, il faut qu'on l'ait même à cet instant-là, pendant la phase de réalisation. Voilà. Donc, on est venu à se dire, mais si on regarde le process aérotique de chez Dassault, c'était le cas à Seclin, eh bien, quand on faisait un programme, donc c'est des process assez longs, une administration de pièces, c'est un mois de travail pour une personne à un temps plein. Et donc, il fait son parcours avec ses conditions opératoires, etc. Et après, il va faire une première pièce démo. Il va regarder la perspective modif. Et puis c'est tout, après le programme est validé, et puis on va faire des pièces, on va sortir les pièces. Là l'idée c'est d'instrumenter, et que l'instrumentation, le recording qu'on va faire de ce process, on l'analyse pour donner des conseils aux gens des méthodes. Un peu comme ce que nos smartphones arrivent à faire pour nous aider à guider. Voilà. Donc, notre système est devenu chez Dassault, en phase d'essai, eh bien un système où on venait mesurer pendant la phase démo de la première pièce réalisée. Ce qui se passe, c'est que quand les portes sont fermées, on ne voit plus rien, bien sûr. On avait une machine de chez Dassault qui fait 18 mètres de long, qui tourne à 24 000 tours, vous ne voyez pas ce qui se passe. Voilà. Donc, le fait d'avoir des capteurs au bon endroit, on vient mesurer, on vient analyser, et puis on prend les signaux. Et c'est devenu un outil de validation des process. De validation, qu'on ne surcharge pas la machine, qu'on ne dépasse pas les niveaux vibratoires, etc. etc. Et donc, c'est dans la bouche maintenant. Ensuite, on s'est dit, bon, ces boîtes noires, est-ce que... Pour l'instant, je fais que analyser a posteriori boîte noire. Est-ce que je ne pourrais pas aller un peu plus loin, qui devienne un pilote automatique, qui vienne aider la machine en elle-même, ou dans le choix du point de descente, encore plus en amont. Et donc là-dessus, on a continué de travailler, parce que ce n'est pas toujours facile, je fais des accéléros, des machins, des trucs, et d'identifier ce qui vient ou de l'état de la machine, ou du process, ou de la température ambiante. Bon. Donc le fait de capitaliser la donnée, eh bien, ça nous a aidé. Et donc, on a mis en place chez Dassault et chez Airbus, à Nantes, à Toulouse, chez Dassault aussi à Biarritz, où on vient faire une signature de la machine le matin. Cette signature nous permet d'avoir un point zéro, on va dire, donc avec un cycle de chaud bien particulier, et après, on va pouvoir suivre cet état-là. Et donc, c'est devenu la courbe que vous voyez ici, on ne voit pas très bien avec les lumières. Donc, en gros, ça, c'est, chaque point, c'est un jour, on vient mesurer l'état de la machine. Donc, on a des...
KPI, donc des paramètres descriptifs de l'état de la machine, qui nous permettent de dire, bah, hop, elle est bien, pas bien, machin. Et puis, on est arrivé à, bah, vous voyez, là, on voit, alors là, c'était encore un peu boîte noire, c'était quand on regardait ça au départ que l'effet a posteriori, eh bien, on voyait que, bah, il s'était passé quelque chose ici. Parce que ça, c'est l'état de la machine les jours suivants. Bon. Donc, et quand on comprend ça un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé dans l'état réel de la journée, voilà ce qu'on voyait. Ça, c'est des panneaux, donc vous imaginez une machine française Forest, ok, broche orientale, 70 000 tours, 24 000 tours, 70 kW, donc des panneaux de 6 par 3 à peu près, et là-dedans, on vient d'enlever de la camelote pour faire des pièces. Et donc les pièces, c'est bon, des cadres, ou pieds de cadre, ou autre, et donc là, vous avez 6 fabriqués sur le même panneau, et donc vous voyez, ça, ce sont les signaux, on voit comme dans un jeu, c'est je pense à mais des trucs où on se bat là, et bien, c'est en gros le niveau de puissance ou de sollicitation et de votre niveau de vie en gros. Et donc la sollicitation de votre niveau de vie. Et donc là c'est un critère qui permet d'avoir un niveau de sollicitation de la machine. Et donc on se rend compte, ben, on a fait premier outil, ça vient de passer, deuxième outil, et puis là il s'est passé quelque chose là, et là la machine comme elle est automatique, et bien la machine elle a travaillé pendant 50 minutes avec une dent en moins. La broche après elle était morte. Il a fallu changer 35 000 boules pour réparer les roulements de la broche. Okay. Et donc, c'était arrivé cela. Et donc, c'est devenu maintenant aussi un outil d'analyse de la traçabilité. Hop là. Mais on est devenu aussi un outil prédictif. C'est capable de dire, attention, là, bientôt, il va falloir changer les roulements de la broche, on va arriver au bout. Donc, on a fait un outil qui s'appelle Emma Tools, hein, dans le cadre d'un projet partenariat avec une entreprise de la région Nantes. Et puis, bah, c'est une boîte qui est commercialisée. Et donc, le boîtier, il est en lui-même. Il peut y avoir un visuel pour l'opérateur, si l'opérateur de la machine il y a, mais ça peut aussi arriver en cas de pièce démo. Et donc il voit apparaître, bah, un peu comme sur votre voiture, vous pouvez avoir des indicateurs sur votre tableau de bord, et eh bien là la même chose, ça vient se rajouter en plus sur votre contrôleur de machine-outil, et eh bien les indications sur le niveau vibratoire, le niveau de déplacement des axes, les potards, tout est indiqué. Voilà. Bon, et puis après, hein, on est capable de faire du reporting, donc de redonner à partir de chaque essai ou de chaque démo, eh bien, des retours. Et puis, bah, la boucle suivante, vous l'avez bien compris, c'est d'avoir une boucle de rétroaction en temps réel sur la machine. Voilà. Donc, pas le son. Bon, bah, ça, c'est Jean-Pierre Ivanov. Alors, ça, c'est important, vous n'avez pas entendu le son, mais voilà. Jean-Pierre Ivanov, lui, c'est monsieur méthode de chez Dassault Aviation Assoclin. D'accord ? Et c'est pas un informaticien. C'est un mec des copeaux comme nous, enfin, comme certains d'entre nous. Et c'est lui qui a piloté le projet parce qu'il avait bien compris la chose. C'est pas l'usine du futur, le digital dans le process, c'est à nous de s'en accaparer. C'est pas aux informaticiens de nous l'imposer. Parce qu'en fin de compte, c'est nos savoir-faire qui vont piloter ce système-là. Si on n'a pas la connaissance du process, on est incapable de traiter les données. Les données, vous allez voir, on fait de la fouille de données. Mais si j'ai pas la connaissance du process, c'est fouille de données, ça sort que dalle. Mais on parle d'intelligence artificielle. Pour que ça marche, il faut avoir l'intelligence naturelle. Sinon, ça marche pas. Quand je te dis Jean-Pierre Alloz, c'est que c'est bien, c'est génial et tout ça. Okay. Enfin, je suis sur ces machines, on a 14 machines à sous-monter maintenant. On récupère 1 à 3 gigas de données par jour et par machine. Philippe disait tout à l'heure, ah, purée, ça va faire de la donnée. Parce qu'on voyait la présentation d'Eric. Eh oui, eh oui. Ça va faire la donnée. Mais justement, il ne faut pas qu'on ait la donnée pour faire la donnée. Il faut qu'on l'exploite, qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller rapidos. Je seconde. Donc, l'idée, c'est, on est capable de simuler les process. Et bien, essayons d'enrichir cette simulation des process par de la connaissance et donc par du réel. Du réel. C'est bien le jumeau numérique. Mais si ce jumeau numérique, je peux l'enrichir avec des vraies données, eh bien, le jumeau, il va être encore plus jumeau. Il y a des fois, moi j'ai des enfants des jumeaux, je les connais bien, et je vois les différences. Bah, peut-être qu'en vrai, on pourrait encore les faire encore plus jumeaux. Voilà. Donc, vous connaissez ça, il y a plein d'outils qui existent chez les grands éditeurs de logiciels et autres, qui commencent par DA et qui finissent par O, et d'autres, voilà. Et donc, bon, après, on peut faire de la simulation de process. Mais c'est souvent, la simulation, elle reste géométrique. Bon, après, on a des outils sur la simulation numérique de la coupe, tiens, elle est coupée un petit peu. Donc, on s'est dit, mais c'est, quand on fait la simulation, par exemple, sur un cadre aérodynamique, eh bien, on est capable de tout simuler, si ça n'a pas touché, machin, etc. Rajoutons un peu, alors, on peut rajouter aussi du comportement machine. Je disais tout à l'heure, on a fait des robots, on compense. Bah, essayons de rajouter du comportement machine.
Donc j'ai fait en sorte qu'on sache si les accélérations, les réglages légers, tout ça de la Chine vont être bons ou pas. Mais nous, on s'est dit, on va aller encore plus loin, et on va venir enrichir la simulation par les vraies données. Là, quand je vais faire ma première pièce, et quand je vais faire ma première pièce, eh bien, je vais avoir ces données, et ces données, je vais les synchroniser avec la simulation, puisque quand je viens mesurer des données en temps d'usinage, je récupère aussi les signaux codeurs sur le contrôleur. Donc après, je peux, en temps réel, avoir pour chaque bloc numéro de bloc CN, le bloc, la simulation, et les signaux réels à l'instant T, à 2 millièmes de seconde près. Voilà. Donc, ce qu'on a développé, c'est qu'on vient, sur la simulation, rajouter le réel. Donc, on parle de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée, nous on parle maintenant de simulation augmentée. Ça reste de la simulation, mais elle vient être augmentée par du réel. Donc la simulation augmentée. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre aux gens des méthodes, parce que quand vous faites un parcours, vous voyez plus ce qui se passe, peut-être que vous inspectez la pièce dans un état fini, mais peut-être qu'à la phase d'ébauche, vous avez sur-sollicité la pièce, vous avez généré des ondulations, de la vibration, du broutement, que vous ne pouvez pas voir en regardant que l'état fini de la pièce. Alors que quand vous l'avez mesuré en temps réel, vous l'avez. Voilà. Donc l'idée c'est ça, et donc on l'a appliqué chez Dassault, et donc ce qu'on voyait sur les simulations, et bien on le retrouve ici, vous ne voyez pas trop, mais les experts de l'usinage vibratoire et autres vont le retrouver, et bien on voit les zones qui ont été effectivement routées du fait avec le chatter qu'on a eu en cours d'apparition pour l'usinage. Donc l'idée c'est ça, c'est d'aller maintenant avoir le plus possible de données, et que ces données, même si on a vu tout à l'heure un parcours assez élémentaire, d'avoir un parcours plus descendant de la chaîne numérique, avec cette chaîne numérique, eh bien, on la fasse reboucler dans l'autre sens. Ces données, on les fasse remonter et qu'on les réexploite. Qu'on les réexploite au niveau des méthodes, ça c'est une bonne chose, qu'on puisse enrichir de savoir-faire et après travailler ces savoir-faire qui sont enrichis. Voilà. Bon, c'était dans le passé, on nous parlait par les familles de pièges et tout, il y avait une théorie qui a été poussée par la Serge. Technologie de groupe, vous voyez, je le reconnais là. Voilà. Bon, c'était pas con déjà. Donc l'idée du futur, on fait que refaire et puis d'améliorer. Donc là, c'est la phase d'amélioration. Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus en amont et globaliser les données, c'est ce qui a été rappelé par Eric tout à l'heure. Ça me plaît bien. Voilà. Donc l'idée, d'ailleurs, c'est que ces données, on en a, ça devient monstrueux. Donc, on fait ce qu'on appelle du data mining. Moi, je ne suis pas spécialiste, sauf que j'ai descendu deux étages au labo. Je suis allé voir des grands spécialistes, des mecs qui font des réseaux bayésiens, des machins, des fous furieux, qui voient donner des données et puis ils les pressent, ils sortent du jus. Et donc, nous, on est arrivés à leur dire attendez, mais si tu me casses comme ça, et moi, si je mélange ton jus de mon savoir-faire, et ça marche. Et là, ça commence à devenir intéressant. Ça, c'est bien. Donc, parce que prendre des données comme ça, moi, ça me paraît vraiment abstrait. Ils font des boîtes et bon. Donc on a pas mal travaillé là-dessus, à essayer de capitaliser ces données, les classer, il y a pas mal de maths derrière, et puis pour pouvoir essayer d'en sortir du jus et prendre de la décision. C'est ça qui est important sur les machines, c'est qu'à un moment donné, on apporte la bonne décision au moment avec les bonnes données, réelles. Donc là, on continue ce projet-là, c'est un projet à l'ENR qu'on a en ce moment, qui s'appelle Smart EMA, donc c'est EMA mais encore plus smart. Voilà, donc avec Airbus, Megachrome, et là c'est le dernier exemple que vous voyez qui apparaît ici. On a tout un tas de données d'Airbus de réalisation de pièces diverses et variées sur tout un atelier de chez Airbus à Nantes. Et puis ça nous a permis de sortir ce qu'on appelle les outils killer. Un outil, donc l'outil coupant, la fraise qui fout le bordel. C'est-à-dire qu'utiliser sur telle pièce, bam, telle pièce, tac, dans tel virage, tac. Et grâce à ça, on est capable de dire cet outil-là, eh bien, il a généré au niveau problème vibratoire et 7 heures d'usinage avec du broutement énorme. Sur 317 heures de fonctionnement. Okay. Et donc, après, par famille, on est capable de dire, et donc après, un peu par étau, vous voyez, on revient encore en arrière, c'est encore plus vieux, on va dire, c'est peut-être sur ces outils-là qu'il faut concentrer nos efforts, méthode, pour essayer d'optimiser les conditions opératoires. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'idée d'aller plus loin. Donc, après, vous voyez, c'est encore. Voilà, je rejoins un peu les images d'Eric, c'est encore plus le cloud, le nuage, mais on s'y rapproche. Alors vous voyez mon nuage de mots qui était tout à l'heure avec des mots un peu tamisés. Voilà. Oui, c'est pas que c'est pour nous aussi quoi. Alors j'en ai abordé pas mal. Il y en a un que je n'ai pas abordé, c'est robotique cobotique. J'en dis quelques mots. Ces pièces, on les finit à la main. Eh oui. Et on le fera encore pour un petit bout de temps. Même si je pense que le curatif, c'est pas bien essayer de faire du préventif. Donc essayons de savoir de faire ces pièces-là le moins possible. Hein. Je rappelle que moi je suis allé en Chine à plusieurs reprises, en Corée, en Pologne, ça. Des opérateurs, même en Europe,
12 euros chargés l'opérateur par rapport à ceux qu'on a chez nous. Vous mettez les machines là-bas et vous les finissez à la main là-bas. Donc, si vous voulez s'en sortir, c'est en sorte qu'on n'ait pas besoin de finir à la main. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'opérations qui se font manuellement. C'est un peu chiant. Donc, l'idée, c'est de se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas robotiser ou pas? Pourquoi robotiser? Quand on a fait la maison, on m'a dit, ah, tu as tué le métier de maçon. D'accord? De toute façon, il y a plus de jeunes qui maçon. Est-ce que vous avez poussé vos enfants pour que ce soit maçon? Non. Si vous avez déjà posé les parpaings, moi je l'ai fait. À la fin de la journée, vous n'avez plus de main, vous avez le dos cassé. Vous l'avez fait qu'une fois, vous ne le faites plus. Après, vous faites appel à un copain qui va faire poser le parpaing. Et après, c'est plus un copain. Ah, ça dépend. Philippe, il a une bonne cave. Le président a une bonne cave. Donc. Il a plus de dos non plus. Ouais, c'est. C'est insupportable. Donc, l'automatisation, il ne faut pas qu'on en ait peur. Ça a toujours été. Depuis que l'homme et l'homme, il a toujours cherché à automatiser. Toujours, toujours. L'agriculture. Mais même nous, regardez, quand on est passé dans les années 80 de la machine à commande, de la machine, machine conventionnelle aux machines à commande numérique, je vous disais, tu es le métier de fraiseur, un machin. Et les gens regardent un peu derrière maintenant. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Les Manitou, les engins, tout ça, c'est arrivé. Les robots, pareil, les 70, les 80, on a commencé à faire des gros robots de process, et on a beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de commodities. Des robots collaboratifs qui peuvent être, justement, ce qui a été rappelé par Eric, c'est la présence de l'homme, les autres collègues qui ont introduit, c'est la présence de l'homme aussi dans le génie du futur. Donc, on a commencé à faire des essais, à essayer de voir comment, avec des cobots, alors je pense qu'il y en a qui sont exposés aussi, il y a plusieurs robots qui sont exposés, je ne suis pas passé encore, voilà, faire des premiers essais de polissage, machin, en partenariat avec l'homme. C'est très difficile à faire. Le polissage, la finition, donc il y a des choses élémentaires qu'on sait faire. Mais vous voyez, je vous montrais, on ponce des grandes coques de bateau là, chez les Eto. Ben, les endroits faciles, les grandes zones, c'est facile à faire avec des robots. Les petits coins, les petits trois. L'horreur, voilà. Donc, allons vers ça. Et l'idée, c'est de se dire, comme j'ai des signaux au moment de la fabrication de la pièce, je sais où, sur telle pièce, j'ai le jumeau numérique, pas de l'ensemble, mais de la pièce X223BT qui a été réalisée sur la machine. Au moment où cette pièce-là va être après à l'ajustage. Là, je suis capable de dire, c'est à cet endroit-là que ça a brouté, cet endroit-là. Donc on va reprendre à tel endroit, à tel endroit. On peut faire du parachèvement conditionné. Conditionné par quoi? Par les vrais signaux qu'on a eus pendant l'usinage. Voilà. Allez, je termine. Donc derrière, voilà. Et surtout que, pas oublier quand même, ceux qui font de la machine outil, c'est pas tout. C'est qu'il faut les programmer, les mécanes. Donc, ok, je peux mettre des robots, mais il faut programmer les robots. Donc si après on a des outils intelligents pour faciliter la programmation, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, c'est time's up, donc je devais aborder les machines qui sont connectées, bah, c'est possible, donc ça se fait. Le big data, j'en ai parlé, smart machin, etc. Voilà, c'est pas mal. Je pense qu'on peut aller plus loin. Moi, je pense que l'avenir, le génie du futur, pour les mécaniciens, c'est qu'on va certifier la qualité du produit par le procédé. C'est le procédé. On commence à faire des tours, on a des tests ici en ce moment, on fait des perçages. Et Airbus, c'est quand même, surtout à Toulouse, les spécialistes des poissonneurs des lilas, d'accord? Sur des trous. On met des boulons et trucs. Bon, mesurer le trou pour dire que le trou est bon, ça sert à rien. Si on peut pas le process au moment du passager, c'est pas bien de contrôler, mais c'est bon, on gagne rien d'argent. Je vous remercie pour votre attention, hein, parce que ça sera pas sans l'humain. C'est pour dire que je vais pas en parler, mais c'est là tout ce qui a été présenté. C'est aussi tout ce qui a été présenté par rapport à Mixer Sunshine à terme, pas aujourd'hui, mais demain. Tous ces éléments-là se seront standardisés, ces concepts de simulation, et seront inclus au fur et à mesure dans l'administration de chaîne pour pouvoir échanger des concepts. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'étape d'après qui a été présentée. Okay. Juste d'aller à la boule, enfin, je vais la présenter, je ne suis pas tout seul. Donc, on est à peu près 35 maintenant dans l'équipe à bosser. Donc, nous sommes des appartements. Alors, j'étais un peu tout seul au départ, puis maintenant, à travailler sur ces aspects-là, on est au moins 17. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup.